En tout cas, pour l'instant, elle est première ex aequo à la poutre avec Podkopayeva. Retour à la barre parallèle. Et le Coréen, Jung Jin-so. Alors déjà que Yeo Hong-chul n'a pas eu de chance au saut, voyons si celui-ci va réaliser une belle... Eh ben non. Pourtant, il était en forme à cet agrès. C'est dommage. Il l'avait démontré le mois précédent au championnat du monde universitaire. Oh là là, deux fautes, il peut s'arrêter. Hein. Ça, c'est fini. Et là, c'est une catastrophe. Il a eu la médaille d'or aux Jeux universitaires à Fukuoka. Mois dernier, il a gagné les championnats du monde universitaire à cet agrès. Il était déjà finaliste à Brisbane au championnat du monde. Ce n'est pas n'importe qui au bar parallèle. Et pourtant, ici, il a complètement manqué sa finale. Mais l'entraîneur n'a pas l'air très content. Hein. Cela pour vous dire, mon cher Michel, que rien n'est fait à l'avance en gymnastique. Absolument. Et qu'on n'a pas comme au tennis un deuxième... Vous voyez, il met la main à côté... Et il se retourne le doigt. Oui, au tennis, on peut perdre les deux premiers sets. On a encore troisième pour se refaire. On ne sait jamais, ça peut rigoler. En gym, en 45 secondes, vous loupez toute votre préparation d'une année. C'est quand même... Oui. De temps en temps, je pense qu'il faut le dire. Il y a très longtemps, en gymnastique, lorsqu'on manquait son exercice, on avait le droit de recommencer également. Si l'on n'était pas satisfait et que l'on pensait pouvoir faire mieux, on levait le bras, on se présentait au juge et l'on pouvait recommencer. C'était dans les années 50. Dans les années 50 et avant, ça n'existe plus. Et c'est l'heure de vérité. J'allais dire, c'est la minute de vérité pour beaucoup d'athlètes parce qu'en moyenne, tous les mouvements durent ce temps-là. Sauf les barres asymétriques sont un peu...